Et bonsoir à tous, bienvenue sur Backline Live, le live où on va redonner sa chance à The Surge 2. J'ai laissé passer quelques jours. On est beaucoup plus calme. On est bien, on est entre nous. À 22h, il y a le PS5 Showcase hein, qu'on ira voir ensemble. En attendant, le jeu commence. Ou pas. Il y a eu le bruit. Bon, maintenant il manque l'image. On avait 4800 pièces détachées quand même. Voilà. On a entreposé. Il me semble qu'on pouvait pas encore porter certaines choses et que c'était un peu dommage. Genre un torse. Il nous manquait 3 de puissance de noyau. Peut-être arranger ça. Un, deux, trois, hop. Hop, comme ça on a 400 points de vie. Level up. Et donc normalement là, on peut porter un fucking torse. Qui nous donne plus de stabilité. Et une baisse de la consommation d'endurance. Qui est fucking cool. Alors que ça, ça nous donne plus de stabilité et des dégâts protégés. Bonsoir. Bonsoir, Alucard. Non, non, pas Alucard. Non. Non. Je veux être un bacal libre. Comment tu vas, Alucard? Petit bacal. Tu peux pas jouer avec moi, je joue à The Surge 2. Ah si, je viens. Exprès pour ça. Tu viens jouer à ce sort de jeu 2 avec moi? D'accord. Je savais pas que ça se jouait à 2. J'en sais rien. Je ne l'ai pas. Voilà, tu critiques alors que tu ne connais même pas. C'est ignoble. C'est ignoble. En plus, ce soir, il y a le PS5 Showcase. Est-ce que tu es là pour oui, ça? Est-ce que tu resteras avec moi à 22h pour critiquer Sony? Pourquoi pas? Faut juste que je sache où regarder après. Il est sur YouTube, je t'enverrai le lien juste après dans 2 secondes bah, le tu temps. Tu vas le streamer? Ouais, je vais le streamer, ouais. Ah bah voilà, je mettrai ton live, certainement. Non, mais comme tu vas être en live avec moi sur Discord, je me disais. Oui, je le regarde en même temps, sinon la différé. C'est ça. Ça va être le bordel, ok. C'est ça, je vais être en train de dire, waouh, ouais, c'est trop beau, tu vas me dire, mais il est pourri tout ce jeu. Et puis en fait, ça sera le jeu d'après que t'auras pas encore vu. Oui, sauf que toi, tu dis j'aime, mais ouais, c'est trop beau, tu dis que non, c'est de la merde. En fait, pour l'instant, tous les jeux que j'ai vus qui étaient annoncés, c'est tous des portages et des trucs qu'on savait qu'ils allaient sortir. En gros, pas de nouvelles, quoi. Ah, t'es voilà. En train de dire, oui, Lucas, tu as raison, je vais râler. Alors oui, il y a des chances que je râle, en effet, ouais. J'avoue, hein, s'il y a que ça et qu'ils font toute une soi-disant tout un schmilblick dessus, tu vois, en disant ouais, on va faire une présentation, vous allez voir, c'est trop bien. Ouais, enfin dans ce cas-là, arrêtez, fermez vos gueules. Ah, je viens d'avoir la notif comme quoi t'es en ligne. Ouais. En stream. Ah ouais, ça fait à peu près 4 minutes. Ah, mais c'est bon, on a à peu près dans le temps. J'ai cru que t'allais me dire ça fait 3 quarts d'heure. Ça fait à peu près 8 heures que je suis en live. Hein, quoi? Non, c'est pas possible. Oh, il y a des moments où je les avais bien le lendemain pendant le confinement. Pas faux. Il y a pas que toi. Bon, alors on était arrivé là, il fallait qu'on aille par là. Ah, mais oh, il a oublié le bac. Qu'est-ce que j'ai oublié? Tu as oublié de sélectionner ce que tu voulais en faire. Dès là. Des lingots de quoi? De Crétarien. Ah, c'est parce qu'ils étaient pas encore disponibles en fait. Bon. Oui, on n'avait pas la recherche. Tu sais, il fallait faire des lingots avant. Oui, je sais, il fallait une cinquantaine de lingots. Okay. Bah, du coup, je pouvais pas choisir ce que je voulais en faire vu qu'on l'avait pas. Je sais. Tu es méchant, Lucard! Tu essayes d'être désagréable alors que. Non, je suis taquin.
Alors que mon concept d'usine était très très bon. D'ailleurs, j'ai vu le truc de fer avec les vis là-bas qui fait un petit peu peur, mais je me dis qu'il faut que je m'y intéresse, comme ça je vois ce que c'est. Le truc de vis. Ah, ouais, le truc que j'ai fait pour faire des... T'as fait une énorme chaîne de montage avec des vis et tout. Ouais, c'était le truc pour faire les rotors. Les rotors ? Ouais. C'était pas pour les cadres ? Non, à l'origine, à l'origine, je voulais faire les plaques. Les plaques, tu m'as dit, je m'en occupe. Oui. Et du coup, j'ai fait les rotors. Ok, donc là-bas, c'est l'automatisation des rotors. Ok. Petits rotors. Non, mais non, ta gueule. Non, non. Et oh. La j'ai la reconnaissance vocale de Google qui s'est lancée alors que j'ai rien demandé. Et il cherche rotor, non ? Google, point, donc, je vois pas pourquoi. Ok, Google, cherche porno. Non, mais le pire, c'est que ça fonctionnait, enfoiré. C'est même pas ça la bonne phrase, et pourtant ça fait lancer quand même, ça va. Je jure. C'est parce que Chino, Google... y'a Baka qui m'embête. Parce que Google même. C'est tout. PlayStation qui fait la présentation et tout et tout. Alors, je t'avoue. Je t'avoue que je l'ai découvert il y a 25 minutes. Hein. Je savais même pas que c'était tout. Il y a quelques mois, mais j'avoue que. Ouais, j'avais un peu oublié. Le pire, c'est que... Non, cette semaine aussi, ils en ont parlé. Je sais plus qui c'est qui en avait parlé. Ils vont faire les deux, ma chérie. Bah, c'est ça remplace le 3. Ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas de 3 cette année, donc... Ouais. Et oui, on va regarder en même temps que Baka, et on sera en discussion avec Baka. Comme ça, on fera les commentaires tous ensemble. C'est ça. Oui. Ah oui. Voilà. Appuyez... d'accord. Faut appuyer sur l'attaque plus longtemps. Bon, par contre, le live... Ah, mais c'est parce qu'il y a tout... le live... Ah bah... Je me disais, ça veut pas marcher. Ça m'embête. Alors... Et hop, un bras en moins. Moi qui aurais cru que t'aurais voulu... faire du satisfactory avec moi. Non, faut que je passe mes nerfs. Je me suis dit, c'est le bon moment de se remettre sur le search, tu vois. Il y a moyen que ça m'excite un petit peu la nouille. Ça risque de t'énerver encore plus, mais... Non, c'est un défouloir, ça va. Ça va. Putain, ils sont nombreux. Oh fucking, ils sont nombreux. Ouais, tu peux te défouler aussi sur Satisfactory, hein. Tu fais, tiens, ça le fait. Fonds mon lingot. Non, il me fallait un truc un petit peu nerveux. Je vais taper sur des mecs là qui m'ont rien demandé. Je vais décapiter. C'est vrai qu'il y a des petits ralentis assez stylés dans c'est ça. Il a un petit côté design, tu vois. Quand tu. Voilà, hop là, tu montes sur le gars, tu lui coupes le bras. C'est très sympathique. Oui. Le heal est beaucoup plus généreux que dans le premier. Alors. Hop là, une tête. Toi aussi d'ailleurs. Hop, deux têtes. Un nouvel implant. Où je m'intéresse un peu plus aux implants parce que. Afficher le tag. Left trigger. Ah, j'ai appuyé sur left trigger. Afficher le profil. Est-ce que tu te souviens si mais tu c'est avais de la merde. Fait un coffre intermédiaire avec le Caterium pour stacker les fils actifs? Non. Non, il me semble que non. Il me semble qu'en fait, quand j'ai voulu créer la machine pour faire les fils, ça m'a cassé les couilles parce qu'on l'avait pas. Ah, parce que j'avais pas de... Oui, je viens de le débloquer un instant, donc ouais, je vais aller le faire maintenant, comme ça. Du coup, je crois que je m'étais dit, nique ta race, ça m'emmerde. En plus, on était en fin de soirée hier, et... Et même pas, en fait. Tu l'as fait. Je l'ai fait. Ah, putain, je suis trop gentil. Oui, c'est juste que tu l'as pas lancé, parce que tu ne pouvais pas le lancer. Tu vois, j'avais tout fait pour toi, à l'écart. Parce que tu sais que je t'aime. Oui.
Alors. Je viens de tomber comme un gros caca. Merci, Baka. Oui, Baka, oui. Je suis un Baka libre. Ça serait quoi la priorité? Et t'as des coupons, alors t'as le choix dans les plateformes de type sol, tu as la, le sol vitré qui est très sympathique. Sinon dans les alimentations, dans les réseaux de trucs, t'as, ouais. T'as les améliorations pour mettre les câbles électriques sur les murs, ce qui est aussi très très cool. Ouais, j'hésitais justement, j'ai plus ce qu'il faut pour, donc je me suis dit est-ce que c'est ça que tu veux que je prenne. Ouais, après c'est. De toute façon il faut tout prendre, hein. Ça c'est tout des oui, trucs non, hyper oui, nécessaires. Oui, t'as les vitres, t'as quoi d'autre qui est super intéressant aussi, tu as les porteurs muraux, et surtout tu as les murs où tu peux que tu peux utiliser comme, comme ouverture dans une usine. Je sais pas si ah, ouais. Je l'avais déjà pris ou pas, je sais plus ce que j'avais pris. Bah en fait je crois qu'on a rien. Ah. Bah écoute, tout ça c'est hyper nécessaire. Le sol vitré c'est peut-être pas forcément le truc prioritaire, ouais. En fait. Pour pas. Je pense que les fixations électriques murales non plus, dans le sens où on fait aucun mur. Donc, Pour l'instant, ouais. Du coup, ce qui peut être intéressant c'est. T'as des porteurs, t'as. De me rappeler, hein, mais. Oh, t'inquiète, je regarde. Bon, au pire, je prends les escaliers, les rampes. Ah, t'as les rampes, ouais, je sais pas. Je les avais pas pris les rampes, je crois. Ah non, t'as acheté les passerelles, mais les rambardes et les escaliers, non. Alors, les rambardes, c'est de la merde, et les escaliers aussi. Les passerelles, c'est. Les passerelles, c'est la vie. En fait, les escaliers, c'est que, en fait, tu peux pas prendre la forme que tu veux. C'est une forme fixe. Donc, c'est pas terrible. Et les rambardes, c'est. Bah les rambardes c'est des rambardes. Ah c'est, je vois les passerelles dans le menu de construction. Les passerelles c'est la vie, tu vas te faire plaisir. Tu sais le truc où t'as passé une heure à galérer avec le béton. Avec ouais. Les passerelles tu l'aurais fait en 10 minutes. Oui je vois, ça coûte quelques deux tiges et une plaque. C'est truc. Ça. Mais joue avec 15 secondes, tu vas comprendre ce que je veux dire quand je te dis avec, avec les passerelles t'aurais passé 10 minutes. Passerelle, c'est la vie, je comprends. Ok. Ouais, sauf que. En plus, t'as des passerelles, intermédiaires et tout, tu peux les faire monter, tu peux les faire descendre. T'as des passerelles à barrière, t'as des passerelles sans barrière. Je vois ça. Ça sert de fondat? Non. Ah non, ça fait pas fondation. Tu peux mettre des câbles électriques dessus. Et je suis quasiment sûr qu'il y a les tapis roulants qui passent aussi. Je suis quasiment sûr. Vas-y. Ah, il reste toujours la possibilité que je me trompe. J'ai avancé un petit peu dans. Non. Enfin, je me calme. Maintenant, je me calme un peu parce que sur Satisfactory, parce que être sur le PC, ça empire mon dos. Ah, la position pas idéale. Parce que en fait, la position qu'il me fait. On va dire pas mal au dos à cause des douleurs que j'ai déjà. C'est le fait d'avoir les bras sur les genoux. Donc, sur Xbox, ça va, mais sur le PC, je suis obligé de les avoir sur le bureau, mais tu vois, un peu tendu. Et vu que le dos, on a pris un coup quand on est allé à l'hôpital. C'est pas la bonne période pour ça. Ouais, c'est pas le moment de garder les bras, même partiellement levés, c'est. Non, puis, avec les chasses, avec les chaleurs, soyons honnêtes, ça pue. Voilà. Bah, cette semaine, je vais faire des courses, je vais aller ici, j'ai plein de trucs, j'ai rien fait. Tu sais que si vous m'avez apporté le moindre poids, c'est moi. Ouais, moi pareil, fallait que je fasse des courses, je suis toujours pas allé. J'ai passé une sale journée encore aujourd'hui, donc. Bah moi c'est pas ce mardi qu'on est allé à l'hôpital. Une boule tout seul dans le dos, une boule de nerf là qui bloque un peu. Ouais. Et ça passe pas. C'est toujours. C'est même pas que ça, le dos revient, c'est là depuis le début et ça bouge pas, c'est toujours la même douleur au même endroit. Et ça veut pas. Et vu que. Je sais pas si je pense que j'ai fait. Je sais que c'est compliqué sur le PC, mais
fait. Ça m'a fait aller sur la console. Je me suis dit, bah tiens, je vais refaire un peu les quêtes pour gagner des points à Microsoft, pour gagner des bons d'achat. Ouais, les quêtes journalières Microsoft, ouais. Ouais, voilà, les quêtes du Game Pass. Et ça m'a fait jouer à... Comment ça s'appelle Minecraft Dungeon. Ah ouais, le nouveau Minecraft. Merde. Ouais. Mais alors, tellement... Minecraft, c'est spécial déjà, donc si t'aimes pas Minecraft, c'est sûr que Minecraft Donjon, ça va pas être ton kiff. Ah ouais, non, mais c'est même pas le côté Minecraft qui me gêne, hein. Parce que de ce côté-là, ça aurait pu être un style. Mais c'est une espèce de Diablo nul à chier, c'est même pas qu'il est dégueulasse, c'est il est nul. Les combats, tu maintiens, pour les combats, tu maintiens A, et ton perso tape devant toi, tout seul. Ouais. Tu n'as plus aucun côté craft, tu ne craftes rien, tout se loot. Il n'y a aucun dynamisme dans les combats. Je me suis fait chier. Et pourtant, j'ai pas joué longtemps. C'est... Ouais, non, Minecraft Dungeon, c'est... Pour les boss. C'est... Ouais, c'est... en gros, c'est une espèce de Diablo pour les gamins fans de Minecraft. Ouais. Mais vraiment pour les jeunes, tu sais, parce qu'il n'y a vraiment aucun dynamisme. Que dalle. D'accord. C'est... C'est dommage. Parce qu'en vrai, avec le système de craft et tout, ça aurait pu être cool. Genre devoir aller dans les donjons pour débloquer des ressources ou farmer des ressources pour ensuite revenir dans ta base en mode zone safe, c'est que ta base, comme ça. Il y a plein de bonnes idées qui auraient pu être faire. Mais en fait, ils ont fait, ah, on va faire Minecraft, mais ils ont juste pris les skins et ciao le côté craft. Donc, ouais. Et le côté minage aussi, donc... Oh, je jure! J'ai pas eu dur avec celui-là. Tu as réussi à ouvrir une boîte de conserve toute seule, ma chérie? Ouais, sans avoir mal. Hein, ouais. J'ai. Tu vois, tu mets bien le pouce, tu tires comme ça et ça va tout seul. Ouais, mais quand j'ai essayé avec l'autre, avec le tronc, j'ai pas réussi parce que j'ai tenté, t'avais mal ou quoi? Ouais, non, c'était si tu te fais mal au dos, faut arrêter. Je prends tout le quoi. On va pas te couper le doigt, hein, non. Si okay. Bah, surtout pas pour ça, quoi. Oui. Putain, mais je suis vraiment caca, hein. Je suis caca. En plus, j'ai un collègue qui m'a vu sur la Xbox direct, il m'a réinvité. Voilà, t'as pas vu depuis plusieurs jours. Donc. Et on est retourné sur Call of. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on était rouillé, on s'est fait casser. Ouais, mais t'as eu un bon, là, t'as fait exploser le cul. Oui, le véhicule, ouais. Bah, disons que j'ai fait des bonnes actions, mais. C'est bien! C'est quand même fait casser. Shiloh l'aime bien quand je fais péter des. C'est normal. Eh oh, c'est ta plus grande part. Non, parce que tu sais, les mecs. Au début, ils fonçaient. Ils voulaient passer à côté de nous, clairement, ça se voyait, parce qu'ils allaient dans un axe où ils allaient passer à côté et se casser. Mais ils ont vu qu'on avait un peu bugué, qu'on hésitait, on attaquait pas trop. Et je les vois commencer à virer de bord et tout. J'ai sorti de lance-roquette et j'ai fait des chocs épiques. Et ça fait des chocs à pic. Putain, esquive, bah tiens, je sais pas moi. T'es pas obligé de te prendre tous les coups. Et c'est pas A pour esquiver. Vas-y. Tu 15 lingots à la minute. Ce truc là en bouffe 12. Mais c'est pas grave, ça va se stocker tout du coup. Je suis encore de pas mal de vis. Arrête de présumer. Ah oui, en plus t'as fait le truc, ta méthode avec genre un conteneur, puis le conteneur pour un seul. Ouais, il y a une raison pour ça, c'est que je voulais pouvoir changer rapidement de production. Non, oula, oui. Ça va ? Saloperie. Comment ça ? Yes. Je me suis trompé de touche et sans faire exprès, j'ai posé ce que j'avais dans l'inventaire dans le conteneur. Et direct, c'est parti sur le tapis roulant. Les trucs qui étaient pas censés être là, donc j'ai réussi à le rechauffer avant qu'il bloque quelque part. Au pire, tu casses le tapis roulant et tu le refais. Ouais, mais voilà, c'est chiant. J'avais pas envie de le refaire. Là, au moins, j'ai réussi à l'intercepter.
La fainéantise. Non. Tu peux quand même. Pas vrai. Je ne sais pas ce qu'elle avait dit sa femme. Pas trop prendre de poignot, le oh, chichi, elle fait des bêtises. Il a bien bouffé. Il a bien bouffé et bouffé pour. Elle bouffe bien pour deux. Ah, mais moi je parlais de bouffer de la bonne qualité quoi. Genre là, un petit fruit. Le souci c'est pas la qualité, c'est la quantité. Hein. Un petit fruit là, à cette heure-là, ça va. Une tablette de chocolat. Gros, une petite boîte de conserve de riz au lait, toute seule. J'y arrive pas. Allez, il reste encore 1h15 pour réussir à faire quelque chose de bien pendant un live. Y arriver, c'est pas le moyen. Et je trouve vraiment pas terrible par rapport au premier en fait. C'est comme moi quand j'ai repris un peu aujourd'hui dans Nier Automata. Je joue en mode normal et je sais pas si le mode normal est trop simple parce qu'il est mal équilibré ou si c'est moi qui ai vraiment trop pris mon temps en faisant absolument toutes les quêtes secondaires en montant un peu. Ah non, mais si tu passes trop de temps à farmer et tout, c'est sûr qu'à un moment en fait tu casses le jeu, oui, tu casses un peu le jeu. Ouais, mais sauf que ça fait un moment que ça dure et j'ai quand même l'impression, bon après j'ai l'impression de rusher l'histoire, mais alors que je fais quand même les quêtes secondaires. T'inquiète, j'ai eu la même impression sur le premier Nier et pourtant je m'étais pas tant fondu de farm que ça par rapport à ce que j'avais fait pendant mes premières runs. Ouais, bah ouais. D'ailleurs, je crois que j'en ai fini. Alors, je sais pas s'il y aura une nouvelle étape, mais j'ai encore aidé les deux déserteurs là et cette connasse qui a formaté son mec. Et apparemment, elle était là. Non, mais vous inquiétez pas, hein, c'est déjà la 5e fois que je le fais, y'a pas de problème, j'ai l'habitude. Vous d'accord. Inquiétez pas, nous contrôlons votre mémoire. Ça fait de la peine pour ce pauvre androïde. T'es fait pour en même temps, hein. Oui, honnête. Hein. C'est comme les petits robots qui jouent au papa et à un enfant, et les enfants, tout, forcément. Ouais. Ah, elle est trop bien, la mère qui suit son enfant, là, qui veut l'aider. Oui, et il fait « Ouais, ça y est, j'ai trouvé mon but dans la vie, ça va être de faire des serrures pour que vous essayiez de les craquer. J'ai pas que ça à foutre. » Mais si, tu te rappelles pas le gamin qui s'enfermait tout le temps, ma chérie? Mmh. Je crochetais tout le temps la serrure et à la fin, bah, c'était ça. Il fait ouais, j'ai compris. Mon but dans la vie, c'est quoi? Mmh. Faire la serrure ultime. C'est ça. Mais moi, je trouve ça bien. Oui, c'est pas un but méchant. Mmh. Ah, et surtout que les dernières serrures, elles sont plutôt. Je me rappelle de certains hackings qui étaient bien sévères. Le Thor Vulture. Vulture. Ah merde, y'a un boubou. Allô.
C'est à quelle heure le machin? 22h. 22h? Oh, ça va. Oh, bon. J'ai Google maintenant qui arrête pas d'afficher la météo sur mon téléphone en tant que notif. Déjà, je trouve ça relou parce que sur le fond de l'écran d'accueil là, j'ai déjà la météo. Mais ouais. En plus, c'est pas la bonne ville. Ah, c'est quelle ville? C'est parce que t'as pas le repérage. Tu dois pas avoir le repérage d'allumer. La géolocalisation. Non, ouais, je l'enlève tout le temps, mais ça change parce que d'habitude, avant, je me souviens que je l'avais réglé. Et là, ça a changé. Et ça me demande pas si je veux le faire manuellement. Genre, quelle ville je veux. C'est. Quoi, tu veux dire que l'application Google n'est pas parfaite? Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Comment oses-tu dire ça à Dieu, Saint Google? T'as pas le droit de dire du mal, il nous écoute, arrête. Alors toi, pourquoi t'es ici? Regarde. Ils doivent pas m'écouter beaucoup parce que je crois que mon téléphone est dans les toilettes. J'ai super, oui, apparemment il met du riz dans les barquettes. Bizarre, mais ouais, pourquoi il est là? C'est bizarre quoi. Bah, ça veut juste dire qu'ils sont en cours et qu'ils mettent dans ce qu'ils ont, quoi. Tout simplement, ma chérie. C'est qui met où quoi? Super U met son riz. En ce moment, Super U s'est mis à vendre du riz. Normal, mais dans des barquettes comme pour la viande en fait. Mmh. Sous vide et tout. Enfin, sous vide. Voilà. Ouais. Que leurs sachets sont fabriqués en Chine. Hey Liz, it's Lauren. Oh my god. Lauren? They told me you died. Creo's been on lockdown for weeks. No, Liz, listen. That's not the truth. Not the whole truth, okay? There's something going down in this town. Something big. The government is lying to all of us. I need a place to lay low. Not for long, okay? Only tonight. I know we've been through a lot, but... I'd love to help you. I really would, but... AID's been knocking on every door in the district. My boyfriend would lose his shit if I went against the government. We can't risk responding to the evacuation. I'm sorry, baby, but there's nothing I can do. Elle ne connaissait pas le même quoi. In my butt. What? In my butt. Ouais, et alors? C'est grave. Elle se doit connaître ce même. Ah, y a un milliard de mèmes et il y en a trois qui se créent tous les jours. Oui, mais celui-là est connu parce qu'il est passé dans South Park. Ouais, mais si elle regarde pas South Park, ça commence mal, tu vois. Si, avec moi, elle regarde. Je l'ai fait regarder. Ouais. C'est pas bien de forcer les gens, Alka. Je l'ai pas forcé. Ouais. Elle est consentante. Elle est consentante pour regarder les épisodes. Ça sert pas. Je vais mourir, la 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 la, je vais mourir, la 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 la, je vais mourir, la 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 la, je vais mourir. Je suis pas mort, la 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 la, pas encore, la 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 la, pas encore, la la, je suis pas mort. La faute d'Alucard. Tout ça, c'est tout de la faute d'Alucard. C'est lui qui me force à écouter. Baby Shark. Non, c'est Chilo. C'est une idée à Chilo. Baby Shark. Tu vas essayer de ramener. Oui. Mais oui, voilà. J'allais dire si tu secoues la tête. Je peux pas le voir. C'est pas vrai. Des fois, t'as des réflexes que. Hein ouais, bon. J'ai des hommes pour te voir alors que t'as le type et tu fais le jet, puis tu tires. T'es en micro là, on te voit pas et il te voit pas. Et... Oui, j'ai un peu de sang vital à mon avis. Quand je parle, je fais des gestes avec les mains. Ouais.
C'est très humain, hein, plus que Rital. Je suis Rital, et je le reste. Ok, la barbe. Panzani. Panzani. Oui, ça va, les combos racistes. Hein. Tu le fais bien, en plus. Il lui manque juste le petit compteur. Avec la petite sonnerie. Ding, 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 ding. Ah ouais, comme façon JDG qu'on appelle dans Barbie, là. Oui. Tu vois, ting. T'as vu le Greg Toussaint, en fait? Non. Ah, putain, regarde-le, il m'a fait rêver. Là, je l'ai mis sur le Discord. Ah, c'est ça que t'avais dit? J'ai pas fait gaffe. Parce que c'était en fait. On a même pas regardé YouTube, en fait. Ouais, aujourd'hui, on a pas vu YouTube une seule fois. Ah, moi, quand je rentre chez moi, tu vois, j'ai besoin de penser à autre chose. J'allume YouTube pour voir ce qui se passe. Là, il y avait un Monsieur Plouf sur. Monsieur Plouf. Ouais. Sur Far Cry 3. Non, c'est Plouf, il a dit. Plouf. Monsieur Plouf. Ouais, non, t'as dit Monsieur Plouf, t'as dit ouais. Parce que je t'ai pas entendu ou parce que je t'écoutais pas. Et je t'ai déjà dit que c'était pas intéressant. Oui, je suis un enfoiré, j'accepte. C'est tout. Ah là là. Ok. J'ai récupéré une double hache. Ça a l'air bien, non? Ça a l'air bien. C'est quoi le moveset? Oh, tu vas être content. J'ai fait exprès d'avancer dans les recherches. Et la prochaine que je vais lancer, c'est les décathlons. Les décathlons. Les jambières bioniques. Ah. Ils appellent ça des décathlons. Avec un K. Comme c'est bien. Jambières bioniques, c'est très très bien. Comme un K. Comme Baka. Comme Baka. Comme Baka. De la vis, mais la vis, y'en a trop besoin. C'est un nouveau. Greg Toussaint, c'est un nouveau d'aujourd'hui? Moi, je vois même pas, non. Si, si, y'en a un nouveau d'aujourd'hui. Il est difficile de se tromper quand. Il est difficile de se tromper quand t'as Greg Toussaint devant toi, devant la cam, tu vois. Hein, tu vois, c'est difficile de le prendre pour quelqu'un d'autre. Mais je regarde comme ça, mais c'est quoi? Je le vois même pas, quoi, parce que je me dis c'est bizarre quand même. Bah il est là. Tiens, ma chérie, les écouteurs. Et... ça, je me mets. Oh putain, la première phrase, quoi. Ah ouais, non, mais il y va fort, hein, mais je pense qu'il était temps, quoi. J'avais pas vu toutes les vidéos qu'il a montrées, mais ouais, il y a vraiment des gars, il faut qu'ils arrêtent, quoi. Vraiment trop con, quoi, j'ai sauté dans le vide. Allez, 50 minutes de souffrance encore. Bon, la hache, c'est pas terrible finalement, c'est pas assez rapide. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas envie d'aller oublier ça pour l'instant. Hein. Non, mais ils font ça volontairement. Ah oui, ils font ça volontairement. Ce qui est super triste, hein, soyons d'accord. Putain, je peux tout monter.
J'ai pas compris la fin à quoi il faisait référence. De quoi? La X-Men. Ouais, ouais. L'assassinat dans sa. Il parlait de... des riches qui se plaignent. Vraiment à toute fin, vu la toute dernière phrase. Je l'ai regardé il y a 2 heures en fait, donc. Ouais, c'est. J'avoue que te parler de la toute fin. Ouais, faudra que je le réécoute, autant. Je vais écouter vite fait. Et ça, ça va pas. Sur le live. Je suis capable de la passer sur le live, hein, je m'en fous. Hein. Ça dure quoi, 3 minutes, je crois, la vidéo donc... Ouais. Je passe après. Abonnement. Monsieur, et je m'occupe de ça. Hop. Bon, dans le pays le plus influent du monde, j'ai vu des ceux qui attisent la haine depuis leur villa. Ah, c'est parce qu'il y a plein de stars américains en fait, et de pseudo-français, c'est d'anciens français, stars françaises, tu vois, qui disent ouais, il faut manifester, c'est important. Mmh. Ouais, apparemment, ouais, ils attisent la haine. On n'est pas dans X-Men qui l'a dit. Je comprenais pas. En fait, le problème actuellement, c'est qu'en fait, il mélange le mort américain avec les accidents en France. Et du coup, en fait, ils se battent pour rien, en fait. Alors qu'il y a eu des trucs intolérables au niveau de la police. Ouais. Il y a eu des violences. Mais en fait, c'est un mort américain qui est en train de soulever un pays. En fait, ça n'a pas de rapport. Alors que quand les mecs se faisaient tirer dessus il y a 6 mois au flashball, bah, personne ne bougeait. Ouais, ils perdaient des yeux, des mains. Ouais. Et du coup, c'est. Enfin. C'est super drôle de voir, en fait, des grands mouvements se créer à partir de trucs américains à chaque fois, en fait. Le manspreading, les nouvelles tendances à la con, féministes, transgenres, non-binaires. Si tu parles à une femme, t'es un violeur. Voilà. Alors que y a des vrais problèmes qu'il faudrait régler et que personne dont personne s'occupe quoi. Je sais pas si je viens pas de trouver le bâton électrique. Et ça, le bâton électrique, c'est un petit peu le truc qui m'excite, tu vois. Tu vois, c'est le bâton, tu sais qu'il a été fait pour être mis dans... C'est le bâton, tu sais, il a été fait pour mettre dans le cul des gars qui viennent se plaindre, quoi.
Il va falloir faire la toupie. Je ferme mon Greg Toussaint, mais je vais dire qu'il a été fait spécifiquement pour les emmerdeurs de Twitter, quoi. Voilà, quoi. Le mec, il vient se plaindre, tu lui mets le bâton dans les fesses, t'appuies sur le bouton, ça lui met une petite décharge dans le cul, ça le réveille, quoi. Le mec, tout de suite, il revient à la réalité. Tourbilol. Sur le bâton, faut pas oublier, sinon c'est pas drôle. Je suis pas le tourbilol, voilà. Qu'est-ce que tu racontes? Je veux le faire tourbiloler sur le bâton, sinon c'est pas drôle. Mais j'ai pas le tourbilol. Comment ça t'as pas le tourbilol? Ah si, mais c'est, enfin, c'est le sixième attaque. Au bout de la sixième attaque, t'es en mode esquive. Hein. Ah, je crois que j'ai trouvé le deuxième quartier. Voilà. Par contre, je suis pas sûr d'aller au bon endroit. You're out of luck, kiddo. I don't need any more recruits for the monster hunt. Now get out of my face before I lose my temper. Ok, gamine. J'ai vu ce que t'allais faire. Oui, ce que je voulais faire pareil. J'aurais fait, non? Oui. If you want to go to the hall, as brother Eli, get stuffed. Looking for something to buy? I'd love to make you an offer, but my hands are tied. After that nasty defrag disease broke out, I helped as much as I could. So whatever the children of the Spark smuggled into the city for a fraction of the price. After a while, oh, les enfants, I was drowning in debt. So I borrowed a bit of money from a nice young gentleman. I should have known better. He turned out to be nothing but a loan shark, and I was easy prey. But I'm no dotty old lady, you see? I know what's going on. His threats get more brazen every day. Soon he'll come after my grandkids. Are you sure? I don't have anything to give you for your trouble, not even a penny. If you really think you can do it, look for a guy called Finn and tell him Miss Fox sent you. He's doing most of his business in Port Nixon these days. I owe him 2,000 tech scrap. If you can make that villain cancel my debt, I could buy new wares and stock my shelves again. I should warn you, Finn is a shrewd businessman. He'll try to con you out of everything you own. Tout autant que nous, sans avoir rien demandé, il va super un peu aussi. T'as pas une de bricoles pour le faire. Take care, kid. Je me rappelle à l'époque où ma mère habitait dans son appartement à Scarbé. Après, quand j'étais bébé, oh merde, les voisins. J'étais là. Je montais ça, j'étais là à me dire, ah oui, j'y peux rien. C'est un bébé, hein, c'est comme ça, ça peut. Voilà, quoi. C'est pour ça que tout le monde était aussi content de partir. Voilà. C'est trop génial d'avoir un bébé. Je vais dire, les gens, c'est pas ce qu'ils attendent, quoi. C'était pas loin où ma tante habitait. Où habitait avant. Quand elle prenait sa pension. Qu'est-ce qu'elle fait, je crois, à 3-4 ans, je crois. Il y a des vagues souvenirs. Ça part. Oh, comme arme. Il m'a un bâton, hein, d'accord. Je vois, je vois. Je vois, je vois. Il y a une main. Il se...